Thank you.
Bienvenue à tous, c'est l'Académie Part en Live du mois de septembre. C'est l'automne, vous avez joué certainement tout l'été et vous vous posez la question, est-ce que je ne prendrai pas quelques leçons pour améliorer mon niveau et l'année prochaine revenir encore plus fort? Alors la question qu'on va se poser avec Benoît Villemard, mon invité, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne leçon? Et je sais qu'il y a déjà plein de questions. Benoît Villemard, c'est d'abord un copain, c'est un parcours assez extraordinaire en France. Il est à la fois coach sur le Tour européen. Il a une super académie à Mogador. Il a été coach à Saint-Nom-la-Bretèche. Il peut aussi bien animer une initiation avec des débutants que coacher sur un majeur. Donc c'est le parfait interlocuteur pour parler avec vous de qu'est-ce que c'est qu'une bonne leçon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. On attend vos questions avec un grand plaisir. Pif, je sais que tu as déjà une question qui te brûle les lèvres. Salut Patrice, salut Benoît. Alors effectivement, oui, j'ai plusieurs questions même. Mais la première question, c'est quand prendre une leçon, déjà? Alors, à quel moment, quand on est dans une pratique, on prend sa leçon? J'ai envie de dire un peu tout le temps. Bien sûr, la leçon de golf, c'est vraiment un des éléments qui nous permet de bien jouer sur le parcours. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tous les aspects techniques qui sont omniprésents au golf, quel que soit le niveau, du débutant jusqu'au joueur professionnel. Et puis après, il y a aller jouer, parce que la technique, ça sert à jouer. C'est sur le parcours qu'on peut vraiment découvrir la réalité de ce sport, la difficulté de ce sport, et surtout le plaisir de pouvoir être dans un grand espace et de pouvoir changer régulièrement de parcours. Alors, pif, si je peux répondre très spécifiquement à ta question, il y a différents moments dans l'apprentissage du jeu, et donc il y a différents moments pour prendre des leçons. Il est clair que on démarre généralement dans ce qu'on appelle une initiation, un baptême. Ça peut être des copains qui vont vous initier et vous faire vivre ce baptême. Mais très rapidement derrière, dans les clubs, il y a des formules qu'on appelle les formules découvertes ou les formules perfectionnement qui, sur des séries de 10 cours collectifs, vous permettent d'acquérir, on va dire, ce qu'on appelle un peu les fondamentaux. Exactement. Et pour rebondir sur les initiations, c'est vraiment une chance, nous, qu'on a à Mogador et qui se multiplie aussi souvent, c'est de pouvoir aller sur le parcours dès la première fois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un moyen d'accrocher les joueurs. C'est de se rendre compte qu'évidemment, on a besoin d'apprendre à jouer au golf, les rudiments techniques du grand jeu, du petit jeu. Mais qu'ensuite, on n'a pas besoin de bien jouer sur le parcours. Tout le monde joue mal. Il y a des formules qui sont adaptées. Et évidemment, quand on est un pro, eh ben, on peut accélérer le jeu, mettre un tee sur le parcours et faire goûter dès le départ ce qu'est vraiment le golf. C'est-à-dire se battre aussi contre soi-même et tous les côtés mentaux qu'on peut retrouver sur le parcours. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a quasiment partout la possibilité d'amener, dès la première fois, ne serait-ce qu'un trou. Ça ne doit pas être un sport qu'on apprend sans y jouer. La technique, ça sert à jouer. Et là, c'était longtemps ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça et c'est formidable de ne plus faire ça. Il faut jouer au sport qu'on apprend. Et donc, on y joue sur le parcours. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau d'apprentissage. Ensuite, une carrière de golfeur, quel que soit le niveau, c'est les montagnes russes, avec des progressions, des régressions, et on a besoin d'être accompagné. Donc la leçon va prendre sa place un peu partout dans la progression du golfeur et dans la vie du golfeur. La preuve en est-ce que Tiger Woods prend plus de leçons? Ben si. Il continue, même si aujourd'hui on sait qu'il se gère un peu tout seul, mais il a quand même des gars qui fait confiance, qui va voir des biomécaniciens, des spécialistes du putting, d'autres pros, etc. On prend des leçons toute sa vie parce qu'on a besoin d'être encadré toute sa vie. Alors, un petit message pour les internautes, pour leur dire de poser leurs questions et aussi de raconter leurs témoignages sur leurs leçons avec leurs pros. Absolument. Une question plus... Il y a tellement d'offres différentes, notamment sur la durée d'une leçon. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier? C'est selon son niveau. On propose une demi-heure, une heure, une demi-journée. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Moi, personnellement, je pense que ça dépend vraiment du public. Mais la leçon d'une demi-heure, pour moi, est vraiment trop courte.
si ce n'est des clientèles habituelles qu'on a toutes les semaines, un peu à l'ancienne, ça arrivait où les clients prennent des leçons, ça fait partie de leur vie, etc. Mais pour un point de vue purement pédagogique, la leçon individuelle d'une heure est pour moi un minimum. Et je peux me remarquer dans l'évolution de ma carrière qu'en étant maintenant depuis 10 ans au Maroc, où les gens viennent en vacances et au lieu, ils prennent des petits stages de 10 heures dans la semaine, 2 heures par jour ou autre, ou plus intensifs même, c'est là où vraiment les progrès viennent. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'élève s'approprie évidemment les progrès qu'on essaye de lui enseigner et que ça demande du temps et de la répétition de se prouver à soi-même qu'on y arrive. Et donc, moi, je suis favorable à une durée longue, en tout cas pour une efficacité. Maintenant, évidemment, ça, c'est un contexte de vacances où les gens ont le temps. La plupart du temps, ça n'est pas possible. Donc, moi, je suis principalement pour les leçons individuelles d'une heure et ensuite des entraînements collectifs. Quand je gérais les équipes de Saint-Nom, à un moment, j'ai entraîné les équipes, on faisait des entraînements de la journée. En entier. Je crois qu'il y a tous les formats. Les formats correspondront aux différents golfeurs et aux différents moments. Effectivement, il y a la notion de temps qui est importante. Et c'est vrai que pendant les vacances, le stage permet à la fois de s'entraîner sur un volume qu'on ne prend jamais le reste de l'année. Donc, si c'est un stage, c'est 15 heures. Qui est incontournable au progrès. Ça fait 15 heures d'enseignement, ça fait 15 heures en volume sur Sameka, le petit jeu, le grand jeu, etc. C'est une chose qu'on ne fait jamais le reste du temps. Donc, oui au stage pendant les vacances, oui au stage à l'étranger, oui au stage à la montagne, oui au stage au bord de la mer, etc. Il faut faire des stages si vous êtes passionné, si vous voulez franchir des étapes. Ensuite, en format, il y a la fameuse leçon. La leçon individuelle. Et j'aimerais bien qu'on reste un peu là-dessus et qu'on parle un peu de la constitution de cette leçon. Parce que la leçon individuelle, c'est... Il y a deux types de leçons individuelles. Il y a le diagnostic et il y a ce qu'on peut appeler la leçon entraînement. Le diagnostic, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un pour avoir un avis. Voilà. Une espèce d'expertise en disant « j'aimerais bien que pendant une heure, tu me dises globalement ce que tu penses de ce que je fais. » Et on peut partir avec ça et faire sa sauce après avec ça, en disant « ok, il m'a dit un peu plus court, un peu plus à droite, certainement, etc. etc. » Et puis, il y a la leçon entraînement. C'est-à-dire, la leçon entraînement, c'est celle que je vais prendre régulièrement avec le même coach qui va me faire avancer d'un point A à un point B, etc., etc., qui va construire une pédagogie autour de ma faute, autour de mon jeu, autour de mes qualités, pour faire que le golfeur que je suis soit meilleur au bout de la route. Voilà. Tu as parfaitement raison. Je pense que là, c'est vraiment un des points essentiels qu'il faut arriver à, pour tous les niveaux identifiés. C'est bien séparer la performance des progrès. La performance qu'on demande sur un parcours de golf, ce qui nous anime en compétition et autres, c'est la gestion du présent. C'est-à-dire, c'est de jouer avec ce qu'on a. De se battre avec toutes les qualités humaines, mentales, physiques, stratégiques qu'on peut utiliser. Alors que les progrès, c'est différent, c'est construire le futur, c'est essayer d'améliorer ses armes. Il faut bien différencier, et ça les pros le font très bien, c'est un peu plus difficile pour les joueurs amateurs et principalement les débutants, mais c'est un des points essentiels, en tout cas dans mon enseignement, c'est de bien vérifier qu'il y a des moments où on travaille la technique, comparable à un outil, et puis après, on doit aller sur le parcours bricoler. Il y a une petite phrase qui résume bien l'essentiel de la mentalité sur le parcours, c'est que ce n'est pas la flèche qui fait l'Indien. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une bonne technique, mais à un moment et à un autre, le golf nous réserve bien d'autres choses. Toutes les gestions des émotions, la gestion de l'environnement, tout ce qui est externe, tout ce qui est interne. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Tout le monde a peur sur un putt d'un mètre. Tout le monde a peur au départ du 1. Donc là, vous êtes bien d'accord avec moi. On va taper quelques balles, on va bouger, on va vous montrer la constitution d'une leçon telle qu'on l'imagine. Mais vous êtes bien d'accord dans ce que vient de raconter Benoît et qui est certainement ce qui a motivé ce sujet à l'académie, c'était de dire qu'est-ce que c'est qu'une leçon. Et en fait, le prof de golf dans vos clubs, les pros PGA sur l'ensemble de la France, leur mission dépasse complètement le simple fait de taper dans une balle. C'est-à-dire qu'on est enseignant,
On est coach, on est préparateur mental, on est aussi certainement confident, on est certainement aussi... On initie la préparation physique, on conseille d'aller certainement se renforcer, etc., etc. Le coach de golf, c'est certainement pas simplement taper dans une balle et la mettre en l'air et la mettre un peu plus loin. C'est tout ce qui va autour de cet acte de taper dans la balle, de la faire avancer sur un parcours, de faire le moins coup de possible en prenant du plaisir. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de la constitution de la leçon. Je vais être un peu l'élève. Je vais être l'élève. Écoute, voilà, j'ai mon beau sac là. Vous avez vu mon beau sac ? Superbe sac, l'académie. Ah, oui. Voilà. Je vais prendre un club et puis je vais taper quelques balles. Ce qui t'intéresse certainement, c'est que je te raconte un peu mon passé golfique, pourquoi je suis là. C'est... D'abord, je tiens à être sûr que tu te sois bien échauffé, Patrice, évidemment. Bien entendu, vous me connaissez, je suis échauffé. Il est chaud comme la braise, donc on va dépasser. J'ai fait muscle ton swing à bloc, j'avais mes élastiques, j'ai fait de la proprio, donc j'arrive forcément, je suis en braise, je peux taper les balles. Voilà, ça c'est bien. On commence par l'échauffement, c'est très important. Hein, même si dans les périodes estivales, on a besoin, c'est une activité sportive, on a vraiment besoin de se mettre en route. On ne prend pas une leçon en sortant de la voiture, en arrivant en courant, en disant « désolé, je suis en retard, Alors ça, c'est la grande différence. Ça, c'est la grande différence entre les joueurs amateurs et les joueurs de haut niveau. Hein, les joueurs de haut niveau viennent aux practices maintenant en étant chauds, en passant trois quarts d'heure, une heure dans le camion, hein, pour la plupart. Et évidemment, ça les renforce beaucoup, hein, parce qu'au-delà de l'aspect éveil musculaire, c'est aussi une force mentale. Hein, qu'on crée hein, en étant fort physiquement. Donc, alors, un bon cours, c'est quoi ? C'est d'abord une observation. Donc, Patrice est un joueur d'expérience. Donc, tu vas me raconter un peu pourquoi, qu'est-ce que tu attends ? Donc, voilà, moi, je vais arriver. Pourquoi je veux prendre des cours ? Parce que j'ai certainement un certain nombre d'insatisfactions dans ma pratique. Notamment, aujourd'hui, je pourrais parler forcément de régularité. En s'entraînant peu, en donnant beaucoup, beaucoup de cours, en étant peu centré sur moi-même et beaucoup plus sur les autres, ce qui est quand même le cas d'un pro qui donne des bonnes leçons, hein, c'est d'être centré sur les autres plutôt que sur soi. Quand je pratique vite, sans avoir tapé beaucoup de balles, en n'étant pas toujours très bien échauffé, et je suis régulier. Je suis régulier. Donc tu vois, là, je tape des wedges, tout va bien. J'ai une T-line ici qui est absolument extraordinaire. Comme je te le disais tout à l'heure, on ne peut pas louper un coup sur cette T-line. Alors ça, c'est très important ce que tu dis là pour la confiance. Parce que pour moi, les deux points essentiels du golfeur, c'est la confiance et la modestie. Principalement la confiance, évidemment. Parce que ce sport, hein, on a besoin de passer de décision, prendre des décisions qui se pensent. Et ensuite, il va falloir trouver une transition vers des sensations. C'est une sensation, ça ne se pense pas, ça se ressent. On pourrait dire les qualités d'en haut, hein, les décisions, et plutôt les qualités d'en bas. D'ailleurs, au golf, hein, il y a une transition qui est très connue, qui est très visible, ça s'appelle les waggles. C'est-à-dire qu'on voit les joueurs qui s'installent d'une façon absolument rigoureuse devant la balle. Il y a un mot qui résume assez bien ça, c'est le côté square. Et puis ensuite, une fois que la position est bonne, hein, après, il faut trouver le rythme, la sensation du mouvement. Quand on a confiance, ça se fait tout seul. Hein, donc évidemment... cette confiance est un point essentiel à travailler. Alors, moi, aujourd'hui, quand je suis devant la balle, j'ai tapé des balles. Quand un élève est à ma place, je suis dans cette relation qu'on est en train d'avoir, c'est-à-dire on apprend à se connaître vraiment, à avoir quelque part, être très clair sur la commande. Pourquoi moi, je suis venu voir Benoît en cours ? Il faut que je sois clair sur la commande. Il ne faut pas que j'arrive comme ça sans objectif parce que Benoît va peut-être m'amener quelque part où je ne veux pas aller. Donc le moment de la discussion, le moment de la fixation d'objectifs entre le coach et l'élève est hyper important. Il ne faut pas le bâcler. Bien sûr. Et on a tendance à se jeter sur le saut, à taper des fers 7 et dire « elle part à gauche ». Et voilà. Souvent cette discussion d'ailleurs, il faut mieux l'avoir sans club. Parce qu'il faut savoir tous autant qu'on est que quand on a un club dans la main, le quotient intellectuel baisse. Voilà. En général, c'est ce qui est en train de m'arriver. On n'entend pas bien les choses. C'est ce qui est en train de m'arriver. Là, pour le coup, j'ai plus du tout de quotient intellectuel. Voilà.
Alors, moi, ce que j'aime bien faire, notamment ici, où ce labo est absolument extraordinaire pour donner des cours, et je pense pour en prendre, c'est que j'ai le TrackMan qui est en permanence derrière moi. J'ai un axe de visée qui correspond au TrackMan, ce qui me permet, au niveau des data, d'avoir, moi, en tant que coach, sans en parler à l'élève, une lecture parfaite de ce qui se passe au moment de l'impact. Je vais avoir, bien entendu, alors j'ai une bonne... Alors, pour rebondir sur Patrice, le golf, on fait appel à la biomécanique. C'est-à-dire que tout ce qui est maintenant mécanique, les lois entre le club et la balle, hein, sont mesurées d'une façon parfaite avec des instruments tels que le TrackMan, hein, qui nous permettent d'avoir une vision absolument claire. Et alors, mais il ne faut pas oublier que ce monsieur-là, lui, il est 100% bio. Ce n'est pas forcément toutes les connaissances du TrackMan qui vont l'aider à être relâché, à être détendu. Absolument. L'explication du TrackMan n'est pas la leçon. L'explication du TrackMan, c'est la compréhension de ce qui se passe à l'impact. Moi, j'aime bien utiliser, ça c'est mon TrackMan du pauvre, c'est mon 1.0. Voilà. La balle, le ballon, c'est la balle. Ici, c'est ce que je veux, c'est-à-dire c'est à la fois mon swing direction, c'est à la fois mon chemin de club, c'est à la fois mon angle d'attaque. C'est à la fois l'orientation de la face par rapport au chemin, par rapport à l'angle d'attaque. Et je veux absolument que mon élève comprenne ce qui se passe en bas. Une fois qu'il a compris que ces balles qui vont à droite sont dues à ça, que ces balles qui vont à gauche sont dues à ça, que ces grades sont dues à ça, etc., je lui dis, voilà, maintenant la leçon commence. C'était juste maintenant. Aujourd'hui, on a la possibilité de comprendre, d'être consciemment compétent. Et ensuite, la leçon commence. Pourquoi elle commence ? Parce que il y a un club, mais il y a un corps qui fait bouger ce club. Et c'est sur ce corps qui fait bouger ce club, sur cette tête qui fait bouger ce club, qu'on va devoir influencer, Et pour continuer dans ton sens, il y a eu des études qui ont été faites maintenant avec des capteurs sur le cerveau où on sait très bien, identifier même dans les tâches de bureau les plus simples, que lorsque on passe un coup de fil et qu'on écrit un mail, on ne sait plus ranger sa gomme. C'est-à-dire que l'homme a des difficultés, a des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps. Et donc, évidemment, notre métier, c'est quand même d'arriver, une fois que voilà, la connaissance, on a connu. Par exemple, là, j'ai envie de dire, est-ce que c'était un bon coup, ça ? Écoute, c'est une trajectoire satisfaisante avec un bruit peu satisfaisant. Donc, Je pense qu'elle est un peu en bas de la raquette, comme dirait mon copain Christophe Potier. Voilà, moi, ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves, c'est d'essayer de se souvenir comment ils font quand c'est bien. Parce que la plupart des gens... essaye de savoir pourquoi il rate. Et ça, c'est évidemment une grande difficulté, ça n'a pas de fin. Parce que ce sport-là est un sport qui est fait justement de ça. Les Anglais, les grands joueurs, disent des good miss. C'est-à-dire qu'elle est ratée, mais elle est quand même sur le green. Elle est ratée du bon côté du green. Okay, donc, c'est l'acceptation de ce sport, c'est la culture aussi de savoir que même les plus grands joueurs ont eu des difficultés, qui peut nous permettre d'arriver à avoir cette indulgence envers nous, c'est-à-dire d'accepter le jeu tel qu'il est et de ne pas essayer absolument de savoir pourquoi on rate. Parce qu'à ce moment-là, on ne met que des mauvaises informations dans son cerveau. C'est un peu comme si on mettait du gasoil dans une Ferrari, ça tousse. Donc, tape quelques balles et essaye d'en taper une bonne. J'ai une question tout de suite après. Tape-en une bonne. Alors, la suivante était quasiment la même en termes de résultats, mais pour le coup, pris en haut de la raquette. Donc, j'avais pris un tout petit peu trop de la grosse balle, de la terre, et pas assez de la petite qui est celle que je vide. Allez, une bonne. Celle-là me plaît plutôt. Alors, fais-toi un petit bisou sur la main. Légèrement en push. Mais comme tu m'as dit qu'il fallait être modeste, je vais y aller tranquille sur les bisous. Ouais, mais c'est s'encourager soi-même. C'est-à-dire que justement, ce qui est difficile, c'est de construire la confiance. Et c'est pour ça que les enfants apprennent plus vite. Pourquoi les enfants apprennent plus vite ? Parce que quand ils réussissent, ils sont contents. Il y a une satisfaction dans le cerveau qui fait qu'on a envie de recommencer la même chose. Ça me plaît. Ça me plaît parce que ici, c'est le cœur du problème. À l'endroit où je donne ces leçons, il y a tellement de moments où je lis de la frustration sur ces coups qui ne sont pas bien tapés. Et le coup est bien tapé et vous êtes déjà dans votre autre balle. Alors que la balle n'est pas encore tombée. Bien sûr. Ce moment-là, quand on tape une bonne balle, c'est un moment où on doit faire un ancrage. C'est d'abord un ancrage des ondes positives,
mais c'est aussi certainement le feeling de ce qui s'est passé au moment de l'impact, ce qui s'est passé dans votre mécanique. Ça, c'est fondamental. Alors, et donc, moi, j'ai... Ouais, pardon, vas-y. Et donc, dans une bonne leçon, pour revenir au thème principal, donc il y a un moment de calage technique. Hein, bon, là, on a fait un calage technique très rapide. Hein, Patrice est professionnel depuis très longtemps. Et puis, à un moment, il y a une petite répétition, hein, c'est-à-dire essayer de se prouver à soi-même qu'on y arrive. C'est-à-dire que quand on en tape une bonne, hein, qu'on se fait le petit bisou sur la main, qu'on a un petit signe de satisfaction, après, est-ce que tu es capable d'en taper trois de suite ? Ben voilà, ça sera la question. Alors, j'ai une question. Et donc avant... là, on rentre dans l'entraînement. J'ai une question avant l'entraînement. Une question que certainement, pif, on a dû te poser. Et la vidéo dans tout ça ? Parce qu'on a dit le calage technique, donc restons sur le calage technique. Bah, la vidéo, évidemment, est un diagnostic parfait, puisqu'on peut avoir une image de la réalité en face. Hein. C'est tout simplement voir la réalité en face. Donc la vidéo, moi, je l'utilise énormément hein, avec mes élèves, principalement pour leur montrer les progrès quand ils font des progrès. Parce que j'essaye toujours d'encourager les gens à avoir quelque chose à faire et quelque chose qui est accessible. Et donc, bah après, l'analyse technique, évidemment, c'est lié évidemment au positionnement du club. C'est-à-dire que le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas plus obéissant qu'une balle. Si le club est à sa place, hein, le club, la balle va réagir comme il le faut. Alors maintenant, ce dont on se rend compte principalement maintenant, c'est l'importance de la traversée. Moi, je me souviens qu'au début de notre formation, on a le même âge, on nous apprenait beaucoup à bien monter le club. Et ça paraît quand même incroyable de croire que c'est la qualité d'un mouvement en arrière qui permet de bien envoyer une balle vers l'avant. Donc ça, hein, la vidéo, évidemment, c'est surtout le retour hein, du club et la traversée de la balle qui nous permet évidemment d'avoir les idées alors, absolument claires. Ce hein. que vous attendez de nous, c'est de vraiment avoir un débat et un débat qui peut être des fois contradictoire. Je ne valide pas complètement ce que vient de dire Benoît. Pourquoi ? Parce que personnellement, je suis d'accord avec toi aujourd'hui, on a ouvert des portes hyper intéressantes, notamment grâce à la bioméca, sur tout ce qui se passe quand on revient vers la balle. On s'est inspiré, enfin, beaucoup de joueurs s'inspirent du baseball, il y a eu le A-swing, etc., etc. Je pense, moi, que dans le lien entre la montée et la descente, il y a des notions vertueuses. Et je sais que bien toi, sûr, je sais que toi bien aussi. Sûr. Je sais que toi aussi. Et c'est pour ça que je pense que toucher au backswing pour toucher au backswing, ça ne sert à rien. Ça, c'est du cinéma. Toucher au backswing parce que toucher au backswing influence le retour, on est bien dans la notion de retour. Donc, voilà, le backswing peut être... le bouton sur lequel j'appuie pour un retour qui correspond plus à ce que j'attends. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu fais une vidéo, comment tu regardes ? Alors moi, je filme toujours de la même façon. Je filme derrière, absolument dans l'axe, avec la caméra qui est à hauteur des mains. Ce qui me permet hein, d'avoir toujours la même vision. Et en fait, de vérifier un point essentiel du golf, c'est quand le club est parallèle à la ligne de jeu. Hein, il est parallèle au sol. Ici, parallèle au jeu, parallèle à la ligne de okay. Donc, ce qui fait que quand on filme de derrière, la tête de club est confondue. Voilà, ouais. La tête de club couche les mains. La plupart des bons joueurs montent devant, de ce côté-ci et reviennent de l'intérieur. Et les amateurs. Et ça, c'est le fonds de commerce des profs de golf. Voilà. Hein, aligné à droite, rentre à l'intérieur et par-dessus, c'est-à-dire aller chercher la balle. En fait, la qualité d'un bon backswing, ce que dit Patrice, il a bien raison, c'est de trouver la route, le chemin, qui fait que si on le laisse revenir librement, il revient dans la balle. Il est axé vers la balle, ce qui nous permet d'être présent dans la traversée de la balle. Et la faute première chez tous les golfeurs, quel que soit le niveau, c'est d'aller chercher la balle. Même les meilleurs du monde, de temps en temps, bah, ils précipitent un peu et la balle devient la cible. Et ça, c'est 95% des gens. Hein, la balle est la cible et à ce moment-là, le cerveau se perd. Lancer une balle, lancer un club vers une balle, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, lancer une balle vers une cible, là, le cerveau peut mieux comprendre. Alors, tu filmes à hauteur des mains de profil. Ouais. Exactement. Ça, c'est pour voir la rigueur technique. Ici. Et ensuite, de face. Et ensuite, de face. Et qu'est-ce qui t'intéresse de face ? Principalement, la posture. Hein. Moi, je pense que 90% du swing est dans le positionnement dans la balle, hein, de bien s'organiser, de bien s'installer devant la balle. Et ensuite, bah, je regarde deux choses essentielles, hein, que sont la stabilité. Voilà.
Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus difficile? Ah ouais, non. Mais ça, c'était... Et voilà, après, il faut se rappeler aussi que taper un bon coup, c'est pas plus difficile. Hein, et donc... taper un bon coup n'est pas beaucoup plus difficile que taper un mauvais coup. C'est plus pareil. Facile. La technique a cette vertu, quelle que soit l'activité. Excellent, quand on a une bonne technique, c'est plus facile et ça marche mieux. C'est ça la vertu de la technique. Quand j'ai une perceuse, c'est plus facile de percer un trou. Quand tu as tes images, tu utilises un logiciel pour les lire? Non. Tu fais, non, tu n'as pas un logiciel particulier? Non, j'utilise iPhone et autrement, j'ai à Mogador une grande télé avec l'Apple Watch. Là, l'Apple et TV. Bien entendu, tu mets un peu de ralenti dans tout ça? Oui, bien sûr. Je me souviens, on ne va pas faire les vieux combattants, mais un tout petit peu. J'ai travaillé dans une académie au début des années 90 où on était un peu les premiers à utiliser beaucoup la caméra. Ça nous arrivait aux États-Unis. On avait des caméras comme vous, les gars. Qui faisaient des moins bonnes images que vous, mais des espèces de trucs sur l'épaule énormes. On avait des cassettes VHS énormes qu'on mettait dans des magnétos. On faisait des analyses sur des télés. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'on prenait des feutres pour tracer des traits et puis des fois, on prenait des trucs indélébiles. Donc, le feutre est resté à vie sur la télé. Enfin, voilà. À cette époque-là, il y avait encore le discours « Ouais, tous ces mecs, ils ont besoin de la caméra pour… » Moi, j'ai besoin de la caméra pour mieux voir. Je n'ai pas un œil bio-ionique. Bien sûr. J'ai pas un œil bio-ionique. On dit que l'image vaut mieux qu'un long discours. Hein. Voilà. Clair. Et puis, le ralenti m'aide. Bien sûr. À mieux comprendre ce qui se passe au niveau du corps. Tu parlais de bioméca et je pense qu'on va pouvoir en parler. Plus que l'œil nu. L'œil nu m'aide parce que c'est le sens de la balle, c'est la trajectoire. Comme l'oreille m'aide sur ce qui se passe en bas, sur les notions de rythme, de tempo, etc. Mais la caméra, surtout, là c'est nous les profs qui devons être dans l'humilité. Bien sûr. Elle me sert à voir des trucs que je ne vois pas à l'œil nu. Donc, c'est une formidable avancée. Bien sûr. Et puis, c'est surtout une force aussi, c'est de se voir tel qu'on est. C'est-à-dire physiquement, OK, dans le swing, techniquement. Mais ça, c'est un des points essentiels sur le parcours. Ça, c'est terrible. C'est de se voir tel qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se voit beau, hein, comme on dit. On se la raconte un peu. On a fait une super séance de practice, machin. On va sur le parcours. J'ai tapé. Avec beaucoup d'espoir. Et à ce moment-là, plus on attend, plus on tombe de haut. Hein, et au contraire, et ça peut être le cas dans la même partie pour la même personne, c'est de se voir pire qu'on est. C'est-à-dire d'un coup, hein, se sentir complètement nul, j'y arriverai jamais, etc. Et donc de se auto-flageller et de ne plus pouvoir jouer au golf. Et donc la vidéo permet aussi de voir évidemment son swing tel qu'on est. Et ça, c'est vraiment fondamental au golf d'arriver à juste voir. Et en plus, c'est variable. C'est-à-dire que c'est un sport où d'un jour à l'autre, on peut être plus en forme et moins en forme. Alors, une bonne leçon, on revient à notre sujet, au fond, on est dans notre sujet de toute façon. Là, on en était au calage technique. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est-à-dire, ça ne doit pas être négligé. On ne doit pas faire ça sur un coin de table. C'est-à-dire, une bonne leçon, c'est une leçon où il y a une forme de confort pour taper ses balles, où on prend le temps de la discussion de départ. C'est pour ça qu'une demi-heure, c'est tout. On prend le temps de l'observation des trajectoires. On prend le temps, si on le peut, si on a les outils, de la compréhension des datas. Peut-être que pour le coach. On ferme l'écran pour l'athlète, il n'y a que le coach qui prend. Il n'y a que lui qui a besoin de savoir. Parce qu'on sait aujourd'hui que, selon où la touche sur la face, ça peut changer complètement ce qu'on croyait en termes de loi mécanique. On prend le temps de faire une bonne vidéo. On prend le temps pour montrer la vidéo et pour expliquer, de se poser, d'avoir une image claire, pas de soleil, pas de flou. On prend le temps de bien filmer. Bien sûr. Voilà, on prend le temps de bien filmer. On prend le temps de remontrer plusieurs fois pour bien faire comprendre ce qu'on veut faire. Et ensuite, vient la correction. Et là, je pense qu'on va en parler assez longuement, mais dans une bonne leçon, quelles sont les différentes manières de vous faire comprendre vers où on veut vous amener? En tout cas, pour moi, ma règle, c'est la simplicité, hein, et synonyme d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut essayer, hein, de,
d'arriver à avoir vraiment des arguments, hein, de manière à pouvoir voilà, que l'amélioration souhaitée, simple, soit validée, comprise et validée par Patrice. Hein, donc, voilà. Par exemple, Poul. Moi, j'ai envie de te dire, essaye d'être en équilibre à la fin de ton swing. Oh là là. Tous les bons joueurs le font. Et moi, je me casse la figure. Parce que Matthew Wolff, par exemple, il a un swing atypique. Mais quelle traversée, quelle stabilité. Et donc, en fait, d'avoir une mission. C'est difficile de remplir plusieurs missions en même temps. Moi, j'encouragerais Patrice à dire, essaye d'être stable à la fin de ton swing. Hein, et essaye, quand tu en tapes une bien, de te faire un petit bisou et d'être capable d'en faire trois de suite. Donc ça, c'est le premier stade qui est de la répétition, de l'amélioration, de l'ancrage, hein, du progrès technique. Mais le progrès technique, il n'est valable que s'il arrive à le faire maintenant, quand il le faut. C'est-à-dire que là, on va passer ensuite du calage technique vers une mise en situation où on va essayer de retrouver un petit cinéma où on va se retrouver comme si on était sur le parcours. Où là, il y a le résultat qui est omniprésent. Là, il n'a pas 5 balles pour y arriver. Non. Là, c'est maintenant. Alors, je suis plutôt OK sur le diagnostic en plus, donc j'aime beaucoup. Mais admettons que comme 95% de nos élèves, je monte intérieur. Mm-hmm. Et qu'on a quand même un peu identifié que c'était pas très vertueux pour le club. Oui, on est obligé de redresser le club. Voilà, la balle. Il faut redresser le club. La balle devient la fin. Il y a des chances de couper là-haut. Voilà. C'est pas très simple. La route. Pas de doute. La route pour revenir jusqu'à la balle et la traverser, en tout cas, est un peu compliquée. Donc là, par exemple, sur des montées intérieures. Bah là, t'as un mur derrière toi, c'est fantastique pour ça. Donc toi, tu aimes cet exercice-là. C'en est un parmi d'autres. Tu te mets une distance d'une main, éloigne-toi un petit peu, encore. Voilà. Allez, tu dois monter le club sans toucher le mur. Okay. Et le toucher au retour, bien entendu. Ouais. Alors, si on le fait avec un athlète qui a un fort roulé intérieur, on tourne le club, hein, parce que... Oui, alors après, je pourrais te l'expliquer d'une façon, de manière à ce que tu le valides. C'est quoi monter intérieur ? L'histoire, on le sait bien, c'est un arc de cercle. Hein. On sait tout ça, hein. Ça se passe en arc de cercle, au moment de l'impact, c'est le moment de vérité. C'est ce que tu nous as montré avec le petit boudin. Comment est-ce qu'on fait pour faire un cercle ? Est-ce que c'est plus facile de faire un cercle à la main ? On peut, hein. Tout est possible au golf. Ou est-ce que c'est plus facile de faire un cercle avec un compas ? C'est-à-dire que le club ne bouge pas, hein, c'est moi qui bouge, c'est le centre qui va bouger, hein, à l'image des aiguilles d'une montre, hein, la face de club, le club. C'est ce qu'on appelle le one-piece swing. C'est l'idéal, hein, parce que, évidemment, ça sert à quoi ? Ça sert à garder le club dans l'axe, ça sert à avoir la plus grande largeur possible, c'est-à-dire une puissance mécanique qui vient de cette distance. Et puis, ça sert aussi, ce que cherchent les pros, à avoir une grande stabilité de la phase de club dans la zone d'impact. C'est-à-dire que si je vais décrire mon cercle à la main, dans la zone d'impact, hein, mon club va beaucoup varier d'amplitude. D'accord ? Donc, ce n'est pas compliqué la technique de golf. Hein. C'est comment faire pour arriver, hein, à ce que tout bouge ensemble. Le seul moyen d'y arriver, il n'y en a qu'un, hein, c'est la rotation. Dans un sens et dans l'autre. Ouais. OK. Et... Moi, je suis très... j'adore les exercices, j'adore les drills. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ici, ce mur, c'est... Pour monter intérieur. C'est le mur à exercice. Je peux te... Montre-nous une gamme de tes exercices préférés, oui. Alors, pour le truc, c'est l'exercice avec les six doigts. C'est-à-dire de prendre son grip normalement et d'enlever les deux derniers doigts de chaque main. Si c'est difficile, les deux derniers, on peut prendre qu'un doigt de chaque main. Et d'essayer vraiment de rendre... Attention, Patrice, parce que je vais la taper. De rendre à son corps... Hein, à son club, enfin à ses mains, aucune activité possible. C'est-à-dire vraiment d'arriver à ce que le club pendouille et d'arriver donc à faire bouger son club par le centre, dans un sens et dans l'autre. Hein, le centre a cette capacité de faire bouger l'ensemble. En fait, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que quand on veut lancer une balle vers l'objectif, hein, on va la lancer avec le corps qui est face à l'objectif, de manière à avoir la neutralité du bras. La difficulté de ce sport, c'est comme on est la plupart mal organisé devant la balle, hein, et que c'est ça la cible, évidemment... Hein, on a des mouvements, hein, qui ne sont pas coordonnés. La coordination du golf, ce n'est pas plus compliqué que comment je fais pour avoir des bras.
OK ? Dans un sens et dans l'autre. Eh bien, il faut tout simplement arriver à ce que les mains n'aillent pas plus vite que le corps, parce qu'on ne peut pas allonger les bras sur le côté. On peut allonger les bras devant soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut tourner, hein, dans un sens et dans l'autre. D'ailleurs, un des plus grands coachs du monde, hein, John Jacobs, hein, sa méthode s'appelait Turn and Turn. Hein, ce n'était pas beaucoup, très compliqué. Et la phrase qu'il a répétée pendant 40 ans, c'était « You open the door, you close the door ». Voilà, donc... Open and close the door. But the door stays straight. Yeah, and especially when it's windy. Notre rôle est d'expliquer le plus simplement possible, hein, la technique du golf, qui peut être très compliquée, hein, si on prend toutes les données et tous les datas qui arrivent et qui sont en combinaison, mais qui doivent être simplifiées par notre professionnalisme de manière à ce que les joueurs de tout niveau, et même les meilleurs, ont besoin d'informations simples de manière à pouvoir les valider. Pour aller dans ce sens, les informations sont là pour donner une sensation. Benoît vous l'a très bien dit au début, c'est de vous devez partir avec une sensation. Dans l'exécution, il va falloir avoir une sensation. Il va falloir que ce soit une sensation, que cette sensation doit être vertueuse. Alors, moi, c'est là où ce que j'aime, c'est reposer le club à nouveau. Mm-hmm. C'est-à-dire poser le club et puis jouer avec mes ballons. Bien sûr. Voilà, par exemple, quand vous avez un mur, il est assez facile de prendre le open the door, close the door, de le synchroniser avec le ballon, de se rendre compte ici que le ballon, les bras sont en extension, on est toujours dans cette relation corps-bras, et ensuite de lancer le ballon contre le mur. Je vous assure que si plus de golfeurs faisaient régulièrement et correctement cet exercice, vous avez vu comme ma balle part pile dans l'axe, comme je la fais rebondir avant qu'elle aille dans le mur, ce qui veut dire que j'ai mes mains qui matérialisent, enfin, qui signifient cet angle d'attaque descendant vers la balle, mais aussi se lancer vers la cible avec cette ouverture des hanches. C'est bête, c'est simple, mais c'est hyper efficace. Et là, votre corps prend des sensations. Si vous reproduisez cette sensation dans votre swing de golf, vous avez déjà réglé énormément de vos soucis. Et je crois qu'une bonne leçon, c'est essentiellement ça. Et c'est se de la, rappeler... simplicité, voilà. La simplicité de la sensation et de la reproduction de cette sensation dans le swing de golf. C'est-à-dire quand je reprends mes bâtons, que j'ai ma balle et qu'il faut que je tape, je suis capable de garder ce feeling et de le reproduire en termes de swing de golf. Bien sûr, et de se rendre compte que le mouvement qu'était en train de faire Patrice n'est pas difficile. Ce n'est pas la technique qui est difficile au golf. Ce qui est difficile au golf, c'est qu'on rate beaucoup. Et qu'on a les boules. Et qu'on se rappelle qu'on a raté, et que pourquoi on rate, et gna gna gna, gna gna gna, et qu'on n'accepte pas le jeu. Et c'est pour ça que la culture du golf, et je pense que c'est important que les pros aussi parlent de la culture du golf à leurs élèves, parce qu'on se rend compte qu'au golf, tout le monde a des difficultés. Tout le monde, les putts de 20 cm ratés par des grands champions... Ça existe, les joueurs qui ont gagné des majeurs et qui ensuite n'ont plus pu faire un score de leur vie, quasiment, ça existe. Et donc, on s'attaque à un gros morceau et il faut être indulgent avec soi-même au golf. Pif, il est temps que tu nous poses d'autres questions. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure et la question qui me vient, c'est quid des gens qui disent qu'ils ont peur de voir un pro parce qu'ils ont peur justement de plus lever une balle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là qui sont un peu frileux, peureux ? Tu poses des questions perso, là ? Non, je plaisante. Non, mais bien entendu, Seb, si tu nous écoutes, je sais que c'est ton cas en ce moment. C'est une super bonne question, parce qu'il y a une vraie défiance pour la leçon. En se disant, bon, mais voilà, aujourd'hui, je sais à peu près, je me débrouille à peu près avec mes 14 clubs sur un parcours, je sais ce que je sais faire. Je joue avec mes limites, je sais que je vais avoir des moments de frustration et d'énervement, etc. Mais bon, si jamais je vais prendre une leçon, il va tout me casser, il va vouloir tout me changer, je sais très bien que je croise, je suis sûr qu'il va me dire tu croises, c'est pas bien, etc. etc. On connaît ce discours-là et on voulait vous dire qu'on vous comprend. Pour autant, sincèrement, les pros PGA qu'il y a dans les clubs sont des gars formés, sont des gars responsables, des gars et des filles responsables
et que c'est certainement pas comme ça que ça se passe. Si on prend le temps dont on a parlé de faire les choses correctement, on va mettre en adéquation le projet et les moyens. Si on ne prend pas le temps, on peut rentrer dans ce process-là. C'est-à-dire, si le pro s'engouffre tout de suite dans un truc qu'il a vu qui ne ressemble pas au swing des Tigers et qu'il n'a pas pris le temps de savoir quelle était la demande, ça peut être compliqué. Pour autant, je voudrais juste finir, après je te passe la parole par rapport à cette peur de la leçon, je voudrais juste finir en vous disant peut-être qu'une leçon va vous donner pendant un tout petit moment des sensations différentes. Et des sensations différentes, ce n'est pas toujours agréable. Il faut s'habituer à ces nouvelles sensations. Mais si vous respectez le protocole, si vous respectez le process que le pro vous propose, avec des répétitions, par exemple, si vous jetez trois fois le ballon contre le mur, il ne va pas se passer grand-chose. Si vous jetez trois fois le ballon contre le mur, vous tapez deux balles et vous répétez ça 10 fois, il risque de se passer des choses. C'est ça le process, le protocole que vous donne le pro. Donc, si vous suivez la règle, si vous suivez le médicament, vous avez forte chance de guérir et de prendre du plaisir et d'avancer. Donc, faites confiance. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Le plus important, c'est que l'élève progresse. Quand il vient prendre une leçon, c'est pour progresser. Donc évidemment, s'il y a un pro avec lequel il a l'habitude de travailler et qu'il estime que sa progression n'est pas suffisante, il n'y a pas de peur à avoir. De toute façon, au pire, au golf, on perd une balle. C'est vraiment le pire du pire qui arrive, c'est de perdre sa tête lest. Ouais, mais des fois, l'honneur, c'est... quand même. Ah oui, l'ego, la gestion de l'orgueil et de l'ego. Mais bon, ça, c'est justement ces qualités humaines qui nous animent tous sur le terrain. Donc non, il ne faut pas avoir peur. Il y a certaines personnes qui ont peur de faire de la peine à d'autres pros dans les mêmes clubs en prenant un cours avec le... je pense que ça, on est armé, on est des professionnels. Donc évidemment, on connaît ça. Et puis, on peut aussi faire des allers-retours. Maintenant, moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il y a un moment ou un autre où l'élève doit s'impliquer et doit se responsabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est que lui qui tape le club, qui tape la balle. Et que le refuge technique est trop présent, à mon sens, quel que soit le niveau, du professionnel au joueur amateur. C'est plus facile de dire « j'ai loupé parce que… » Il m'a fait faire ça. Voilà, il m'a changé mon grip, gna 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 gna. Et donc, d'avoir un refuge technique plutôt que de se dire que tout simplement, j'ai eu peur et que j'ai pas tenu, que j'ai craqué. J'ai pas tout le monde craque au golf. Et ça, évidemment, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens trichent. Oh. Ah bon ? Alors, vous encouragez à apprendre des leçons. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surdose à un moment donné ? Trop de leçons ? Écoute, faut revenir à cette fameuse discussion de la première fois de ce premier quart d'heure. On est là pourquoi ? Est-ce qu'on vient prendre un diagnostic avec lequel on va vivre après pendant un moment ou est-ce qu'on veut rentrer dans un process d'entraînement ? Et ensuite, je crois que les bons pros, et Dieu sait qu'il y en a, vont vous donner le bon rythme. Et vont vous dire, je pense qu'il faut qu'on se voit tous les mois. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez bossé entre cette fois-ci et la fois suivante. Il n'y a rien de pire, sincèrement, on peut vous le dire tous les deux, il n'y a rien de pire que de donner une leçon et de retrouver un élève qui n'a pas joué entre cette leçon et la leçon suivante. Parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression de... Alors d'abord, pourquoi on ne referait pas la même leçon ? Puisque de toute façon, il n'y a pas eu d'entraînement, il ne peut pas y avoir d'ancrage, il n'y a pas de feedback sur ce qu'on a donné. Il n'y a pas de mise en jeu situation. Performance, en situation. Donc, comment c'était sur le parcours ? Je suis désolé, je ne suis pas allé jouer. Waouh ! Donc, prendre des leçons, c'est aussi rentrer dans un process d'entraînement. C'est pour ça aussi qu'il y a souvent des formules, 5 leçons. Des forfaits. Des forfaits, voilà. Des forfaits. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est, si Bien vous sûr. Décidez de travailler votre technique, prenez un forfait, étalez-le dans le temps. Fixez-vous des points d'entraînement entre les leçons et vous ferez un bilan performance, et d'ailleurs le seul bilan performance qui compte, c'est sur le parcours, au moment où l'entraînement ça finit. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a des choses qu'on travaille l'hiver, dans des conditions plutôt difficiles, un peu engoncées dans ses habits. On joue sur des parcours qui sont gras, où on perd de la distance, etc. Jugez vos progrès sur une année.
Attendez que les parcours soient plus accessibles, attendez que votre balle roule un tout petit peu plus, etc. Et vous verrez si vos points d'handicap descendent. Attention à, quand on travaille en hiver, d'aller juger trop rapidement sur les parcours qui sont difficiles. Surtout que ce sport, on le voit au plus haut niveau, il y a des écarts énormes. Moi, j'ai encore vu un joueur professionnel français que j'entraîne il y a peu de temps qui a fait 15 coups d'écart du jour au lendemain. Il a fait 61-76. L'important, c'est le même joueur. Et ce n'est pas le record. Hein, au trophée Lancôme, j'avais vu Force Brand faire 64-83. Hagman. Force Brand ou Hagman. Un des deux, un Suédois. Hagman. 19 coups d'écart du jour au lendemain. Ouais. Donc, on a nous-mêmes une certaine variabilité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même que ce qu'on demande aux golfeurs, c'est comme si on demandait aux footballeurs de tirer que des pénaltys. Hein, le ballon ne bouge pas. Et ça nous laisse le temps de gamberger. Hein, et donc, évidemment, bah, il faut arriver à surmonter ça et s'entraîner pour. Donc, c'est un vrai sujet, Pif, mais c'est un vrai sujet qu'il faut partager. Et donc, c'est un vrai dialogue. Et quand vous rentrez dans une relation avec un enseignant, c'est un truc important. Vous venez pas, ou alors on vient prendre sa leçon pour prendre l'air, et ça c'est très très respectable. T'as une demi-heure suffit. Voilà, ouais, ou alors on fait un petit parcours accompagné, c'est un super caddying. Mais sinon, il y a une vraie discussion au départ pour savoir vraiment pourquoi on est là et vers où on veut aller, et on trace les lignes d'un process qui permet les progrès. Mais à un moment ou à un autre, l'élève doit compter en premier et uniquement sur lui. Il faut s'engager dans sa pratique quand on prend une leçon. Certes, il faut choisir le bon pro, les compétences, certainement les compétences qui vous correspondent. Mais ensuite, il faut bien savoir que si vous voulez que les progrès soient ancrés dans la durée, c'est lui qui va faire les progrès. C'est le joueur qui doit avoir une vraie volonté de faire ses progrès. C'est pas moi qui vais faire les progrès. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs pros? Alors ça, c'est la tendance, hein, d'avoir des spécialistes dans tous les compartiments. Donc ça, à mon avis, c'est excellent pour le très haut niveau. Et c'est peut-être un peu plus difficile pour le début, parce que moi, je pense que c'est très important d'avoir une constance, de garder toujours la même direction, et que autrement c'est la dernière balle qui a parlé qui a raison. Et en plus, comme il y a 1000 façons de jouer au golf, mais il vaut mieux en choisir une, hein, autrement c'est difficile. Alors, je confirme, la tendance sur le haut niveau, c'est véritablement une armée de coachs autour des joueurs. Et pour avoir traîné pas mal nos guêtres sur les différents tours, et notamment sur le tour européen, on sait aussi que même si le gars a un coach attitré, notamment les anglo-saxons aiment beaucoup échanger, donc un pro peut discuter avec plusieurs autres coachs. Moi, j'ai vu Rory McIlroy chipper avec plein de mecs. J'ai jamais entendu parler que c'était leur coach. Bien sûr, c'est simplement, on apprend un petit truc, tiens, je veux te montrer autre chose, etc. Ça reste un jeu, ils parlent tous de la même chose. Si on revient aux gens qui nous regardent et qui sont dans les clubs, moi je voudrais dire qu'il peut y avoir plusieurs coachs, mais il doit y avoir un patron. C'est-à-dire, il doit y avoir le pro qui crée la route, le chemin vers les progrès, avec les points de repère, les leçons régulières qui vous font avancer, etc. Et de temps en temps, sur certains secteurs, parce qu'il commence à y avoir, je pense notamment à notre copain Jean-Pierre Sixou sur le putting, il peut y avoir des gars hyper spécialisés qui ont aussi des technologies qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas dans son club, etc. Qui sont consultés fréquemment. Voilà, qui sont consultés parce que ça donne des analyses certainement plus fines et qui vont permettre derrière, avec votre pro, qui est le patron de votre golf, de travailler peut-être avec plus de précision sur des secteurs bien précis. Mais je voudrais dire que plus que deux pros, ce que je vous encourage tous à faire, c'est d'avoir un pro et un bon coach de sport. Plutôt que prendre deux pros, prenez un bon coach de sport, inscrivez-vous dans une bonne salle avec un bon coach qui comprend votre activité et qui, à l'image des contenus qu'on vous présente tous les 15 jours dans Muscle Ton Swing, vous permettent d'améliorer globalement votre corps à tous les niveaux, à tous les âges, pour une pratique plus harmonieuse, plus facile de cette activité. C'est simple, mais c'est encore plus simple avec un corps qui fonctionne bien. Bien sûr, et travailler le physique, ça va avec le mental. Moi, je pense que quand on travaille durement le physique, on s'améliore très nettement mentalement. En plus, en plus. Donc, n'hésitez pas. En plus.
Comment on choisit son pro? Parce qu'il y en a tellement de différents. Bah, la plupart du temps, c'est naturel, c'est dans les clubs quand même. Hein. Autant prendre le pro de son club quand même. Vous avez vu les bronzés? Le planté du bâton. Vous avez vu Monsieur Duss? Ben voilà, pareil. Non, sincèrement, pas comme ça. Il faut trouver un pro qui convienne. Souvent, il y a plusieurs pros dans les clubs. La meilleure chose, c'est d'essayer, de tester, et puis de voir voilà, si on progresse. Hein, moi, il faut se rappeler de la simplicité. J'ai eu la chance d'avoir Roger Golias, qui était un grand pédagogue et qui était à Saint-Nom, avec qui j'ai beaucoup discuté, et qui disait, notre métier, c'est simplement faire des progrès à nos élèves. Faire des progrès à nos élèves. Si l'élève progresse, c'est tout. Et il faut savoir que pour qu'il progresse, il faut qu'il s'approprie le truc et qu'il arrive lui-même à savoir ce qu'il fait et pourquoi il arrive. C'est lui qui va réussir. Alors, et je pense que la plupart des élèves vont chez un pro, alors si en plus c'est des pros de renom et tout, en espérant que ça tombe comme ça. Et en fait, non, ça ne tombe pas comme ça. Alors, comment choisit son pro? Ben, je crois qu'il faut bien savoir ce qu'on vient chercher. Est-ce qu'on vient chercher un feeling, c'est-à-dire est-ce qu'on vient chercher un moment qu'on va passer avec quelqu'un qui a de la compétence mais qui pourrait être aussi un copain, enfin, avec qui on a une forme de feeling. Et on peut rechercher le feeling, c'est-à-dire je me sens bien, j'ose avec cette personne, alors qu'avec celle-là, je suis plus stressé, je suis plus en danger. De toute façon, c'est une relation très intime. C'est très donc intime. Il faut se sentir bien. Mais j'ai aussi entendu de la bouche de certains élèves qui disaient, moi, quand je recherche un pro, je ne cherche pas forcément un pote. Je cherche aussi peut-être un prof. Dans la relation, je veux qu'il me, au-delà de me guider, je veux qu'il m'oriente, je veux qu'il soit ferme avec moi, qui soit dur bien au bon sûr, moment. Nous, sûr. On vit ça. Avec... Bah, le haut niveau, on fait ça. Hein. Voilà. C'est la grande différence. On vit ça sur les athlètes qu'on accompagne. Au niveau, on est obligé de les endurcir. C'est que si on est constamment en train d'aller dans le sens de l'athlète, on va à un moment perdre le fil de cette relation qui doit nous amener vers le plus haut. Et donc, on a besoin de ce moment d'intransigeance. On a besoin d'être, sans être père fouettard, mais on a besoin de savoir dire non et d'être un peu plus ferme. Donc, quand vous prenez une leçon dans vos clubs, c'est le feeling, bien entendu la compétence, et aller à la compétence. Et il y a des compétences reconnues un peu partout en France, et bien entendu, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, voilà. Mais sincèrement, les pros sont bien formés. Je sais qu'ici, au centre de formation dirigé par Eric Vanier, je peux vous dire que je connais les formations. Les gars qui sortent de ces formations sont bien formés, sont habilités à donner vraiment des bonnes leçons. Donc, après, à vous de choisir. Est-ce que c'est un feeling ou est-ce que c'est plus une manière de fonctionner qui vous attire? Tout est libre, mais n'ayez pas peur. De toute façon, pour un golfeur, hein, bien jouer au golf quand on aime ça, ça influence directement la qualité de vie. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez une bonne qualité de vie, c'est bien drive. Alors pour aller, juste un petit complément d'information, dans les bonnes leçons, à mon avis, il faut aussi s'entraîner dans les bons compartiments de jeu. Il faut savoir quand même qu'au golf, quand on est bon avec le putter, c'est le club qu'on utilise le plus, hein, et avec lequel on s'entraîne le moins, sauf les pros. Quand on est bon avec le driver, c'est la santé du swing. Si on s'est tapé un bon drive, on s'est tapé un coup de fer 7, hein. Si on tape bien le premier coup, okay, ça veut dire qu'on a un deuxième coup. Et si on est bon avec le sand wedge, ces trois clubs-là sont les clubs les plus importants dans le sac. Avec ces trois clubs-là, hein, on joue 90%, 80% de ses coups. Donc taper une heure et demie de fer 7, comme je vois la plupart des gens faire, comme je viens de vous faire, c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense qu'il est intéressant avec le sand wedge de varier les distances, d'être capable de faire 25 mètres, 50 mètres, 75 mètres et de s'entraîner pour. Et au-delà d'être efficace sur le parcours, de ne pas louper le green quand le green nous tend les bras, c'est aussi le cœur du swing. Si on arrive à faire, hein, la rotation one piece sur un coup de 30 mètres, c'est plus facile à faire sur un plein coup. D'accord ? Donc, n'oubliez pas de vous entraîner principalement en 1 avec le putter. Ensuite, faites vos gammes avec les sand wedges, le wedging, les distances et aussi le chipping autour du green. Sortie de bunker, il y a des bunkers partout au golf. Il ne faut pas qu'un bunker, hein, qu'on passe sa vie, éviter les bunkers. Et le driver, hein, tout simplement parce que d'abord, c'est pour moi le club le plus facile à jouer. On en parlait avec Patrice, tu es tout à fait d'accord. La phase de club, c'est la plus grande. La balle est sur un tee. La balle est sur un tee, on a un lie parfait tout le temps.
Et mine de rien, on n'a jamais vu un aussi grand but qu'un fairway pour une aussi petite balle. Il y a un milliard de possibilités de prendre un bout de fairway. Donc travaillez beaucoup votre driver. Et ce n'est pas en dernier. Moi, je dirais c'est en premier le driver. Et si vous tapez bien les drives, d'abord, vous allez avoir une bonne qualité de vie. Vous allez voir que tout est possible sur le parcours. Et en même temps, je vous dis, vous allez taper un fair 7. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc les fameux « moi, je ne tape pas le drive », en tout cas, ici, c'est interdit. C'est plus dur de taper un bois 3. Ici, c'est interdit. On tape le drive. Et on commence par là. On tape le drive. Donc, il faut se focaliser, faire des leçons sur le driving. Alors, ça, c'est... Wedging et après, c'est une autre... Comment une autre question. C'est-à-dire que souvent, quand on a une faute marquée de driving, elle est l'extrapolation d'une faute de swing. Donc, ce qui veut dire que si on la travaille sur un club plus facile, on doit retrouver au niveau du driving des résultats. C'est-à-dire que une balle, je donne un exemple tout bête, mais qui correspond quand même pas mal à nos montées intérieures, à nos frappes, etc. Le coup d'épaule. Le fameux coup d'épaule. On va avoir des joueurs qui poulent les fers, donc c'est-à-dire qui ont des coups qui partent plutôt pas trop mal, mais quand même à gauche de ce qu'ils visent, qui sont des gros slicers. Et le joueur qui arrive ici en disant mon problème, j'ai pas de problème, par contre je slice, c'est certainement une bonne idée que de travailler un peu la mécanique avec les fers sur ce fameux pull pour transformer ce slice au niveau du drive. Donc voilà, peut-être qu'on peut dire que le jeu de fer, c'est pas le jeu de fer en lui qui est intéressant, c'est juste que c'est un outil facilitant pour travailler un certain nombre de choses au niveau technique, mais qui doivent se retrouver sur les clubs, les scoring clubs, et le driver est un scoring club. Il n'y a pas que le wedge qui est un scoring club, le driver c'est un scoring club. Et puis vous le voyez encore plus en ce moment, il suffit de suivre un tournoi du Grand Chelem ou un championnat aux États-Unis pour voir que le driver est un scoring club. Encore une question ? Dernière question pour Benoît, tout à l'heure tu parlais des enfants. À quel âge on peut prendre une première leçon individuelle avec un pro ? Leçon individuelle avec un pro, ça dépend un peu des enfants, comment ils sont éveillés, mais à partir de 6 ans, 7 ans. Après, jouer, on peut jouer dès qu'on marche. Et tu recommandes à faire ça en plus de l'école de golf ? Déjà, faire l'école de golf, c'est bien. Après, évidemment, tout dépend des objectifs de chacun. Mais si un gamin aime ça et qu'il a envie d'avancer et qu'il est mature, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Nous, on fait des stages enfants très régulièrement. Après, ce qu'il faut, c'est bien s'adapter aussi au public. Hein. Le golf, c'est un sport d'adaptation, aussi bien pour les joueurs qui doivent s'adapter à l'environnement hein, que pour nous, les pros, qui devons nous adapter à nos élèves. On a des convictions, c'est important, hein, mais après, évidemment, il faut les adapter à chacun. Ouais, pour finir, je me souviens, tu m'as dit un truc tout à l'heure et j'ai trouvé ça intéressant, c'est... Pour pouvoir choisir son pro, il faut face à soi avoir des pros qui ont des convictions. Et il faut en choisir une. Donc, dans le choix de son pro, on doit bien comprendre la conviction de l'enseignant qu'on a en face de soi, son mode opératoire, si on peut parler d'opération, ouais, pour quelque ouais. chose qui est quand même plutôt du loisir, hein, une pratique pour avoir du plaisir. Et ensuite, se laisser faire. Ce qui est extraordinaire avec Tiger Woods, dans les quatre périodes de sa vie où il a été numéro un mondial, si on considère qu'il aurait pu revenir là numéro un mondial, c'est qu'il a été avec quatre coachs qui lui ont fait faire des choses complètement différentes, mais vraiment complètement différentes. C'était presque une bataille des chefs, tellement c'était différent. Et Tiger Woods, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est laissé faire. Il est rentré complètement dans la conviction, un qui le faisait finir là, l'autre qui le faisait finir là, etc. Et il a été numéro un mondial. C'est un formidable exemple de ce que c'est que prendre des leçons, prendre un coach et réussir. Une fois que vous faites confiance, vous devez faire confiance jusqu'au bout. Pour en revenir à Tiger Woods, là, vous savez que Tiger Woods, pour son putting, est aligné 3 degrés à droite sur tous ses putts. C'est-à-dire que techniquement, hein, moi, j'aurais tendance à lui dire, attends, tu ne vises pas le trou, tu vises à droite. Mais il est capable de faire 99 fois sur 100 la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le côté technique et il y a la consistance, la capacité à reproduire le même toujours mouvement. Le même. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que si on a
Même des grands professionnels français des années 50, 60 jouaient avec ce qu'on appelle le pool basque. C'est-à-dire qu'ils étaient alignés un peu à droite, petit coup d'épaule au drapeau. Hein, et donc, il faut veiller à la qualité technique, mais si on a une consistance, qu'on a un petit défaut technique, mais qu'on est capable de refaire la même chose et qu'on a une régularité, ça c'est comme un trésor hein, en golf. Hein. Il faut le garder. Pif, merci pour toutes ces questions, Benoît. Merci beaucoup, hyper Patrice. C'était passionnant et ça a été un super moment passé avec toi. Merci à vous. J'espère que tu t'es régalé. Bah ouais, top. Autant que nous. Ouais. Autant que nous. Les gars, merci derrière les caméras. À vous qui nous avez suivis, je vous donne rendez-vous pour le live du mois d'octobre. Régalez-vous bien, prenez des cours. Les pro PGA dans vos clubs sont des gars formés et des filles formées. Ça va vous faire progresser. En 2021, vous reviendrez plus fort. Donc, tous aux leçons. Bon golf. Et à très bientôt sur les lignes et sur le web. À très bientôt. Salut.